semana histórico. C'est vraiment un fin de semaine historique. Qué bueno que Jesús te hizo nacer en esta época. C'est très bien que Jésus t'ait fait naître pour vivre ces moments. Qué bueno que llegaste para este tiempo. C'est très bien que tu sois arrivé, que tu sois là pour ces moments. Porque ha llegado para el tiempo del avivamiento en Europa. Parce que c'est le moment où vraiment il va y avoir la vie en Europe. Es que tú lo crees. Est-ce que tu le crois? Ok, para terminar hay un mensaje en mi corazón. Pour finir, j'ai vraiment un message dans mon cœur. Hay algo que el Señor está trabajando conmigo desde hace unas semanas. Ça fait déjà plusieurs semaines que le Seigneur a déposé quelque chose. Y quiero poder dejarlo en tu corazón. Et je voudrais vraiment que cela puisse repartir dans ton cœur. ¿Sabes qué? Hace justamente un mes. Ça fait à peu près un mois. El 20 de abril de este mismo año. Le 20 avril de cette année. Una persona muy reconocida a nivel mundial. Quelqu'un qui est vraiment très connu au niveau mondial. Decidió quitarse la vida. Il a décidé de se retirer, de s'enlever la vie. Quiero mostrarte una foto de él, quizás le conozcas. Voici la photo de celui dont je parle. Ok, su nombre es Tim Bergling. Son nom, hein, c'est Tim Bergling. Nació en Suecia hace 28 años. Il est né en Suisse, en Suède, il y a 28 ans. Y se dio a conocer al mundo con el nombre de Avicii. Et on l'a connu à travers le monde avec le nom de Avicii. Y ha sido uno de los mayores responsables de llevar la música electrónica al conocimiento y al consumo de toda la gente popular. Et c'est quelqu'un qui a vraiment contribué à ce que la musique électronique soit connue à travers le monde et devienne populaire. Ha tenido un éxito que le ha sobrepasado en gran medida. Et vraiment il a été connu et cela a dépassé vraiment ce qu'il espérait. Pero en abril del año pasado, mais au mois d'avril de l'année dernière, llegó la noticia de que había muerto. La nouvelle est arrivée comme quoi il était mort. Y el mundo entero se conmocionó. Et le monde entier a été dans l'émotion. Era conocido que sufría graves problemas de salud. Et c'était connu qu'il avait des problèmes de santé. El excesivo consumo de alcohol. Il consommait beaucoup d'alcool. El estrés del trabajo y de la presión sobre su vida. Le stress du travail et vraiment de la pression sur sa vie. Le llevaron varias veces a estar internado en un hospital. Il a été à plusieurs reprises interné dans un hôpital. A cancelar giras. Il a plusieurs fois annulé des tournées. E incluso en el año 2016 a retirarse del espectáculo para guardar su salud. Et en 2016, il s'est même retiré pendant un temps pour garder sa santé. Un chico que ha sido ídolo para muchas personas. Ça a été un idole pour beaucoup de personnes. Ha sido ejemplo y referente para muchos artistas aún de mayor edad. Un exemple pour beaucoup d'artistes, même plus grand que lui. Un chico con éxito. Quelqu'un avec de la réussite. Cogió una botella de vidrio en su hotel en Oman. Et il a pris une bouteille en verre. Y comenzó a cortar parte de sus muñecas. Et il a commencé à se tailler les mains, les bras. Y a rajar su cuello. Et son cou. Porque no aguantaba más con la vida que le tocaba vivir. Parce qu'il ne supportait plus la vie qu'il avait. Su familia dijo al dar a conocer la noticia. Et sa famille a fait connaître cette nouvelle. Las siguientes palabras. Avec ces paroles. Dijo, Tim era un artista frágil. La famille a dit Tim était un artiste fragile. Explorador, buscando respuestas a preguntas existenciales. C'est un explorateur de la vie, il cherchait des réponses à des questions existentielles. Un perfeccionista que trabajó muy duro y viajó a un ritmo que le generó un estrés extremo. C'est un perfectionniste, il a tellement travaillé que ça l'a amené dans un rythme extrêmement avec pression. Cuando dejó de hacer giras, quería encontrar balance en la vida para ser feliz. Et quand il arrêtait de tourner, de faire des tournées, il voulait trouver un équilibre pour être dans la joie. Y al mismo tiempo hacer lo que más amaba. Et il voulait faire ce qu'il aimait le plus. La música. Musique. Realmente luchó con pensamientos sobre el significado de la vida. Et il a combattu toute sa vie avec des pensées par rapport à la vie, le sens de la vie. Par rapport à la joie. Pero no pudo más. Et il n'a pas pu supporter ce combat. Quería encontrar paz. Il voulait trouver la paix. Tim. Quería encontrar paz. Il voulait trouver la paix. Dejó a sus padres una herencia de más de 80 millones de euros. Il a laissé à sa famille, à ses parents, 80 millions d'euros. Propiedades y una mansión que cualquier persona en el mundo desearía tener. Avec beaucoup de propriétés, notamment une grande maison que nous aimerions tous avoir. Pero él quería encontrar paz. Mais lui, il n'avait pas la paix, il voulait la trouver. Y no la encontró. Il ne l'a pas trouvé. Cuando pensamos en la necesidad del mundo. Quand on pense à la nécessité du monde. Cuando pensamos en la misión que ayer se nos hablaba. Quand on pense à la mission que hier on nous a dit. Casi instantáneamente se va nuestra mente a aquellas personas que están en situaciones de dolor. Et parfois on pense à des personnes qui sont dans des situations de souffrance. A situaciones de drogadicción.
On va penser à des gens qui sont sous la drogue. O de enfermedad extrema. Ou alors qui sont malades d'une maladie extrême. Que necesitan oír el mensaje de Jesús. Et qu'ils ont besoin d'entendre la nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Pero sabes que la necesidad. Mais je vais te dire la nécessité. Real en nuestro amado continente. Le besoin de notre continent. Se esconde detrás de personas con muchísimo dinero en sus cuentas bancarias. Parfois est caché derrière des personnes qui ont de la réussite financière. La necesidad está en personas que aparentemente tienen éxito en esta vida. Parfois on voit des personnes qui semblent avoir de la réussite dans cette vie. Personas que lo tienen todo, incluso nosotros los cristianos más de una vez los hemos envidiado. Et vraiment des gens qui ont tout, et parfois même nous chrétiens, nous avons envie d'avoir leur vie. Personas que quieren encontrar paz. Et pourtant ce sont des gens qui veulent trouver la paix. Personas que necesitan a Jesús. Des gens qui ont besoin de Jésus. Y personas que necesitan a un enviado. Et des gens qui ont besoin, des vies qui ont besoin d'un envoyé. Hoy quiero hablarte acerca de el enviado. Ce matin, je voudrais te parler de l'envoyé, de celui qui est envoyé. Y de cómo tú y yo podemos ser enviados a personas como Tim. Et comment toi et moi, nous pouvons être de ceux qui sont envoyés auprès des personnes comme Tim. Una de las mayores causas de muerte en la juventud en nuestro continente es el suicidio. Vous savez que l'une des majeures causes de mort, c'est le suicide. Y la vida desenfrenada. Et vraiment des vies sans frein. Por eso Jesús está buscando gente a la que enviar. Et c'est pour ça que Jésus est en train de chercher des personnes pour envoyer. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús estuvo a punto de ascender a su Padre a los cielos. Et quand Jésus était prêt de monter auprès du Père dans les cieux. Encontró a la gente que quería enviar. Et il a trouvé les gens qu'il voulait envoyer. Por eso llegó el fin de semana de Pentecostés que recordamos en estas fechas. Et c'est pour ça qu'on se souvient de ce moment de Pentecôte dont on a célébré aussi ce week-end. Para capacitar, para dar poder a las personas que él quería enviar al mundo. Pour équiper, pour donner la puissance aux personnes qu'il voulait envoyer. Para salvar al mundo. Pour sauver le monde. Y transformarlo. Et changer le monde. El Espíritu Santo vino sobre unas personas. Et l'Esprit Saint est venu sur des personnes. Y quizás este fin de semana para nosotros es nuestro Pentecostés. Et je crois que ce week-end c'est pour notre vie la Pentecôte que Dieu a pour nous. Es un momento donde Dios ha trabajado en nuestras vidas, donde él nos ha regalado momentos increíbles. Et c'est des moments que Dieu nous donne, qu'il nous offre des moments incroyables. Pero todo lo que Dios nos hace vivir en este fin de semana. Mais ce que Dieu est en train de nous faire vivre ce week-end de DNJ. Es para que seamos enviados a gente como Tim. C'est pour que nous puissions être de ceux qui sont envoyés auprès des personnes comme Tim. Para que evitemos la muerte de los que están a punto de morir. C'est pour qu'on puisse essayer d'éviter la mort de ceux qui sont en train de mourir. Para que salvemos al menos a uno. C'est pour qu'on puisse aller et sauver au moins quelques-uns. A uno. Au moins quelques-uns. Cuando vemos las multitudes. Quand on voit la multitude. Perdemos el valor de una persona. Parfois on va perdre au milieu de cette multitude perdemos la valeur d'une vale personne. Para Jesús una persona. Mais pour Jésus, même une personne a énormément de valeur. Jesús murió por todos. Car Jésus, il est mort pour tous. Pero lo hizo por cada uno. Mais il l'a fait aussi pour chacun individuellement. Jesús ama a una persona. Jésus aime une personne. Él hubiera muerto si solo hubiera sido por una persona. Et il serait venu mourir même pour une personne. Y la iglesia de Jesús debe estar llena del amor por una persona. Et l'église doit être remplie d'amour même pour une seule personne. Para llegar a Tim. Pour pouvoir arriver vers Tim. Pour cualquier otra persona. Et autre personne qui lui ressemble. Que necesita encontrar paz. Et qui a besoin. Y el enviado eres tú. De trouver la paix et l'envoyé c'est toi. Una de las grandes preguntas que todos los jóvenes nos hemos hecho. Une question que beaucoup d'entre nous sommes posés. Y que más conflictos ha generado en nuestra fe. Et qui peut parfois produire un conflit dans notre foi. Es cuál es mi llamado. C'est quoi mon appel? Esa es la gran pregunta. Ça c'est une grande question qui nous travaille. Nos la hemos preguntado infinidad de veces. Parfois on se l'est posé énormément de fois. Ahora nuestro llamado es ser enviados a una persona. Laisse-moi te dire, ton appel c'est d'être envoyé même pour une personne. Me encanta la visión M2. Et j'aime beaucoup la vision M2. Porque dice discípulo que hace un discípulo. Parce qu'il est dit notamment un disciple qui fait un disciple. Eso es lo que Jesús quiso decir. Et je crois que c'est ce que Jésus veut nous dire et il a voulu dire ça. Ahora, hay una pregunta que siempre he tenido en mi corazón. Et moi j'ai une question qui a toujours travaillé mon cœur. ¿Y podríamos llegar a alcanzar a todo el mundo? Est-ce que nous pourrions réussir à toucher le monde entier? ¿Es algo real? Est-ce que c'est vraiment possible? Okay, vamos a hacer un cálculo. On va calculer, on va faire des maths. No sé exactamente la cifra de cristianos que hay en el mundo. Je sais pas exactement le nombre de chrétiens à travers le monde, de nouveau. Pero supongamos que en el mundo hoy en día. Mais supposons qu'aujourd'hui. Hubiera un cristiano. Qu'il y ait juste un seul chrétien. Solo uno. Juste un seul. Sería David Potier, por ejemplo. Par exemple, David Potier. Potier, pardon.
C'est pas la même personne. Un cristiano en todo el mundo. Un seul chrétien. El mundo está cerca de tener 8 billones de habitantes. Et le monde est prêt on est prêt d'avoir 7 milliards de personnes dans le monde. Ahora, si ese cristiano David. Et si ce chrétien qui reste David. En este año. Dans cette année. Hace un discípulo más. Il fait un disciple de plus. ¿Cuántos cristianos habría en todo el mundo? Combien de chrétiens il y aurait à travers le monde? Dos. Si David con ese cristiano el año siguiente. Et si David l'année d'après avec ce chrétien. Hicieran también cada uno un discípulo, ¿cuántos habría? Chacun va faire un autre disciple, combien il y en aurait? Vamos a hacer una cuenta. Ya sé que saben multiplicar, sí. Il a besoin du téléphone pour calculer, mais vous savez calculer. OK, dos cristianos. OK, deux chrétiens. Por dos cristianos. Multiplié par deux. Haría. Ça fait 4. 4. Y ahora voy a presionar el botón igual. Et je vais appuyer maintenant. 30 veces. Je vais appuyer 3 fois. Serían 30 años en el mismo proceso. L'équivalent de 30 années dans ce processus. ¿Se prepare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31. Este número extraño que aparece aquí son 10 mil millones de personas. 10 millones de personas. En 30 años. En 30 años. Tendríamos la capacidad. On aurait la capacité. De alcanzar a todo el mundo. Est-ce qu'on pourrait toucher tout le monde? Si supiéramos valorar y ver y amar a una sola persona por año de nuestra vida. Si chacun d'entre nous on touchait, on gagnait une personne par an. Esto significa que ganar a Francia para Cristo es posible. Laisse-moi te dire que avoir gagné la France pour Jésus, c'est possible. Si vas a decir amén, dilo fuerte. Si tu veux dire amen, il faut le faire franchement, hein. Ahora hay una historia en la Biblia. Il y a une histoire dans la Bible. Justo después de Pentecostés. Juste après la Pentecôte. Tony ayer la mencionó en su predicación. Et hier Tony en a fait mention dans sa prédication. Los 120 tienen un encuentro con el Espíritu Santo. Les 120 ils vivent une rencontre avec l'Esprit Saint. E inmediatamente después la iglesia comienza a crecer. Et tout de suite après l'église va grandir. Las casas se convierten en centros de entrenamiento. Et même les maisons vont se transformer dans des centres de formation. Las plazas son plataformas para predicar el mensaje de Jesús. Sont des plateformes publiques pour annoncer, prêcher la bonne nouvelle. Hay un mover del espíritu increíble que está ocurriendo en Jerusalén. Il y a une action de l'esprit qui se produit à ce moment-là à Jérusalem. Pero en Hechos capítulo 3. Mais dans Acte 13. Versículo 1 al 2. Verset 1 à 12. Dice lo siguiente. Dit le suivant. Acte 3 verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Después de ese gran movimiento y despertar, après cette action de réveil, y con tantos cristianos que atender, et avec tous ces chrétiens qui étaient là, Pedro y Juan no se ponen a hacer estrategias de cómo alcanzar más cristianos. Ils vont pas juste se poser et réfléchir quelle est la stratégie pour toucher. Y no estoy en contra de las estrategias. Et franchement, je suis pas contre les stratégies. Son positivas. C'est positif. Pero ellos van al culto de las 3 de la tarde que siempre ha habido en Jerusalén. Et eux, ils vont tout simplement aller au temple à la réunion habituelle qu'il y a toujours eu à Jérusalem. Ellos van a la reunión donde siempre van todos los judíos. Ils vont à la réunion où tout le temps les juifs vont. Van a la reunión de las 3 de la tarde de oración. Ils vont à la réunion qui est à 3 heures de l'après-midi. A la que a nadie le gusta. Celle où personne veut aller. Suben para orar al templo a las 3 de la tarde. Ils vont monter pour aller au temple et prier à 3 heures. Y sabes que el enviado siempre está pensando en afectar la rutina. Et laisse-moi te dire quelque chose, je crois que l'envoyé, il accepte aussi la routine. Muchas veces vivimos momentos increíbles con Dios.
Parfois, on veut vivre des moments incroyables avec Dieu. Y nos entra ese deseo de querer cambiarlo todo. Et on a vraiment envie de vivre de tout changer. Pero la manera en la que Dios traerá cambios a tu alrededor. Mais je crois que Dieu peut changer tout ce qui est autour de toi. Es estando en el lugar de donde vienes. C'est d'être là où d'où tu viens. Para que tu presencia en ese lugar. Pour que ta présence dans ce lieu pueda comenzar a afectar lo que te rodea. Puisse commencer à toucher ceux qui t'entourent. Ellos van a esa reunión. Ils vont aller à cette réunion. Y cuando van a la reunión. Et quand ils vont aller à cette réunion. Ven a unos cuantos hombres. Ils vont voir quelques hommes. Que traen a un paralítico. Et ils amènent ce paralysé. Un paralítico que desde su nacimiento había nacido así. Et depuis sa naissance, il est comme ça. El paralítico es puesto a la puerta del templo. Le paralysé, il est déposé à l'entrée du temple. Y mientras Juan y Pedro van para entrar al templo a orar. Et alors que Jean et Pierre y rentrent au temple pour prier. Seguro estaban muy ocupados. Peut-être qu'ils étaient très occupés. El avivamiento exigía mucha responsabilidad. Vraiment, ils avaient beaucoup de responsabilités avec ce qui se passait. Templo, et lorsqu'ils sont en train d'entrer au temple, de repente, lo ven. D'un seul coup, ils vont le voir. Un hombre sentado a la puerta del templo. Il y a là un homme assis à l'entrée du temple. Y dice la Biblia que fijaron los ojos en él. Et la Bible nous dit qu'ils vont fixer le regard. Le miraron. Ils vont le regarder. Este hombre se había cruzado con muchas personas en esa mañana. Et cet homme-là, il avait déjà certainement croisé énormément de monde avant. Cada día de su vida había sido puesto allí. Tous les jours de sa vie, il était déposé là. Muchas personas lo conocían. Il y a beaucoup de personnes qui le connaissaient. Él siempre estaba allí. Il a toujours été là. Para encontrar limosnas. Pour pouvoir recevoir des dons. Pero Pedro y Juan le miraron. Mais Pierre et Jean, ils vont le regarder. Fijando en él los ojos. Ils vont fixer le regard sur lui. Le miraron. Ils vont le regarder. El enviado. L'envoyé. Ve la necesidad. Il va voir la nécessité, le besoin. Aquel que ha sido comisionado por Jesús. Celui qui est envoyé par Jésus. Ve más allá de la apariencia. Il voit au-delà même des apparences. Y sabes que lo primero que diferencia a una persona que se considera y sabe que es enviada por Dios. Et la première des choses vraiment qui touche la personne qui se sait envoyée par Dieu. Es que va a ver la necesidad. C'est parce qu'il a la capacité de voir le besoin. Hoy estamos estamos sembrados, estamos llenos de la indiferencia. Aujourd'hui, dans notre société, on est rempli d'indifférence. Somos capaces de estar viendo la televisión. Nous sommes capables d'être en train de regarder la télévision. Y contándonos una tragedia. Qui nous raconte des tragédies. Y al mismo tiempo comer un croissant. Et en même temps, en train de manger des croissants. Y ver datos escalofriantes. Et là, on voit des nouvelles qui sont effroyables. La indiferencia. Et on est habitué, on est dans l'indifférence. Es un problema en nuestro hoy en día. C'est vraiment un problème aujourd'hui dans notre société. El que ha sido enviado por Dios. Celui qui est envoyé de Dieu. Ve la necesidad. Il voit le besoin. Y al ver la necesidad. Et quand il voit le besoin. Ve la oportunidad. Il voit l'opportunité. Hay muchos que me han dicho, Ezequiel, yo no tengo ocasión para hablar de Jesús. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, Ezequiel, j'ai pas l'opportunité, l'occasion de parler de Jésus. Estoy orando para que Dios me dé la oportunidad. Et je suis en train de prier pour que Dieu me donne l'occasion, l'opportunité. Déjame decirte que las oportunidades están en tu camino. Laisse-moi te dire, les opportunités, elles sont dans ton chemin. Están en tu rutina. C'est dans ta routine aussi. Están en tu familia. C'est dans ta famille. Están en tu instituto, en tu universidad. Dans ton école. Están allí en tu iglesia. Dans ton église. Pero tienes que verlas. Mais il faut que tu les vois. Tus ojos deben estar puestos en la necesidad. Il faut que tes yeux se posent sur le besoin. Ahora, si nuestros ojos no están puestos en la necesidad, si tes yeux ne sont pas posés sur le besoin, es porque nuestros ojos están puestos en nosotros mismos. Certainement que nos regards sont posés sur nous-mêmes alors. Cantamos en la iglesia. On est en train de chanter à l'église. Dame más de ti. Donne-moi encore plus Quiero de toi. Más de ti. Je veux plus de toi. Lléname. Oh oui, remplis-moi. Úngeme. Oui, donne-moi l'onction. Utilízame. Utilise-moi. Moi. Ah, ok. Mais. Yo. Estamos tan centrados en nosotros. Et on est parfois tellement centrés sur nous-mêmes. Hay iglesias que para crecer se ven tentadas a cambiar su mensaje. Et parfois il y a des églises qui peuvent être tentées de changer le message pour grandir. Y a decirle a la gente solo lo que quiere oír. Et pour avoir du succès, ils vont dire tout ce que les gens para veulent entendre. Para saciar las necesidades egoístas que hay en su interior. Pour remplir cette nécessité, ce besoin égoïste. Pero aquel que ha sido enviado por Dios y por su espíritu. Celui qui est envoyé par Dieu et l'esprit de Dieu. No pasa de largo. Il ne va pas passer à côté. No se mantiene indiferente. Il ne reste pas indifférent. No hace como que no está pasando nada. Il ne fait pas semblant comme s'il n'y avait el que pas de es besoin. Enviado por Dios. Celui qui est envoyé de Dieu. Mira la necesidad. Il regarde le besoin. Porque sabe que algo puede hacer. Parce qu'il sait que quelque chose peut se produire. Algo puedes hacer. Il peut faire quelque chose. Por eso debes mirar la necesidad. C'est pour ça que tu as besoin de regarder la nécessité. Y debemos mirar como Jesús miraba. Et je crois qu'il faut qu'on regarde comme Jésus voyait. En Marcos 6.
Dans Marc 6, versículo 34, verset 34, dice lo siguiente. Il nous a dit, Jesús, Jésus, al ver a las multitudes, lorsqu'il a vu la multitude, tuvo compasión de ellas. Il a été rempli de compassion d'elles. Compasión. Compassion. Esta palabra en el griego, cette parole dans le grec, significa literalmente, veut dire littéralement, dolor en las entrañas. Qui la une souffrance, il y a de la douleur dans les dans ses entrailles. Dolor en las entrañas. Souffrance dans les entrailles. Jesús ve una multitud. Jésus, il voit la multitude. Y no se asombra por la multitud. Et il va pas être impressionné par la multitude. Él tiene compasión. Parce qu'il a de la compassion. Por la necesidad de cada uno. Pour le besoin, la nécessité de chacun. Quizás tú hoy estás aquí. Peut-être tu es là. Rodeado de una multitud. Tu es entouré d'une multitude. Y ves que todos se gozan. Et tu vois que les autres se réjouissent. Y ves que todos se alegran. Et tu vois que tous sont dans la joie. Pero tú estás con una necesidad interior. Mais toi, tu as un besoin intérieur. Que nadie puede saciar. Que personne ne peut guérir. Hay situaciones que todavía no se han solucionado. Il y a des situations qui sont pas encore résolues. Hay cosas que todavía Dios no ha hecho por ti. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait pour toi. Y estás en medio de la multitud. Et tu es là au milieu de la multitude. Y tú estás diciendo nadie me ve. Et tu es en train de dire personne nadie ne me voit. Sabe lo que me pasa. Personne ne sait ce qui se passe. Nadie me conoce. Personne ne me connaît. Nadie puede hacer algo por mí. Personne ne peut faire quelque Pero chose pour moi. Pero déjame decirte que los ojos del Señor. Laisse-moi te dire quelque están chose. Están mirando la multitud. Les yeux du Seigneur sont là. Y al ver a la multitud. Et en voyant la multitude, te mira a ti. Il est en train de voir toi. Y al mirarte a ti. Et à te voir toi. Él dice, yo siento lo que tú sientes. Il est en train de dire, je sens, je vis ce que tu vis. Y puedo hacer algo por ti. Et je peux faire quelque chose pour toi. Dios puede hacer algo por ti. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Y si Dios puede hacer algo por ti. Et si Dieu peut faire quelque chose pour toi. Tú puedes hacer algo por alguien. Toi, tu peux faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Tuvo compasión de ellos. Il a eu de la compassion d'eux. Porque eran como ovejas. Parce qu'ils étaient comme des brebis. Que no tenían pastor. Semblables à des brebis qui n'ont point de berger. A veces vemos a la gente que no conoce a Jesús. Parfois on regarde les gens qui ne connaissent pas au Seigneur. Y decimos, wow, lo tiene todo. Oh, ils ont tout. Y hay una frase que se utiliza a menudo en las iglesias. Parfois on utilise une phrase dans les églises. Y es esta, es una muy buena persona. Et il me dit, ah, c'est une très bonne personne. Solo le falta. Il a juste besoin. Conocer a Jesús. De connaître le Jésus. Il a tout, il lui manque juste Jésus. Es una mentira como una casa. C'est un mensonge comme une maison. Je connais pas l'expression. Porque si le falta conocer a Jesús. Parce que si lui manque Jésus. Le falta todo. Il lui manque tout. No tiene nada. Il n'a rien. Cuando Jesús ve la necesidad, quand Jésus il voit la nécessité, ve al mundo que nos rodea, il voit le monde qui nous entoure, tiene compasión, il a de la compassion. Ahora, fíjate lo que hicieron estos dos hombres. On va lire ce qu'ils ont fait. Dice en el versículo 5 en adelante. Acte 3, 5. Dice, entonces él les estuvo atento. Et il regardait attentivement. Esperando recibir de ellos algo. Et s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Alors Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. El mundo. Le monde. Los 11 millones de jóvenes en Francia. Les 11 millions de jeunes en France. Entre 15 y 30 años. Entre 15 et 30 ans. Están esperando recibir algo. Ils sont en train d'attendre quelque chose. Ese hombre. Cet homme estaba esperando recibir algo. Il attendait quelque chose. Hay muchas veces que decimos qué puedo hacer yo por el mundo. Et parfois on se dit mais qu'est-ce que je peux faire moi pour le monde? Pero el mundo se está preguntando qué puede hacer la iglesia por mí. Mais je crois que le monde se dit qu'est-ce que l'église peut faire pour moi? El mundo nos está observando. Le monde nous observe. El mundo nos ha estado observando. Le monde nous a observé jusqu'à aujourd'hui. Los tiempos son peligrosos. Les temps sont dangereux. Y está esperando que la iglesia haga algo. Et le monde attend que l'église fasse quelque chose. Por muchos años hemos estado paralizados. Parfois on était paralysé pendant des années. Por muchos años hemos estado con complejo de inferioridad. Parfois on était complexé d'infériorité. Pero el mundo está mirando a la iglesia. Mais le monde regarde l'église. Para recibir de ellos algo. Pour pouvoir recevoir de l'église quelque chose. Y a menudo la iglesia dice. Et l'église elle dit. No tengo. No tengo, j'ai rien. No tengo. J'ai rien. La primera respuesta que le sale a Pedro. La première chose qui sort de la bouche de Pierre. Es no tengo. C'est je n'ai rien. Cuando tú ves a alguien en la calle, quand tu vois quelqu'un te dans la rue, pidiendo algo, et qu'il te demande quelque casi chose, automáticamente, presque à chaque fois, tú dices, no tengo. Tu vas répondre automatiquement. Es la respuesta automática. C'est la réponse automatique. No significa que sea verdad. Ça veut pas dire que c'est Pero la vérité. Es lo que nos ha pasado por años. Mais c'est que ça arrive tellement Hemos de fois. Hemos pensado que no teníamos. Que du coup on croit qu'on a rien. Pasa por la necesidad. On passe à côté du besoin. Ves la gente que se pierde. On voit les gens qui se perdent. Y dices, yo no tengo. Et on dit, oh, j'ai rien. Entonces sigo mi vida. Alors je continue. Entonces hago mis planes. Je fais mon plan. No tengo plata. J'ai rien. No tengo
tengo oro. J'ai pas d'argent, j'ai pas no d'or. Tengo tiempo. J'ai pas de temps. No tengo amor. J'ai pas d'amour. No tengo capacidad. J'ai pas la capacité. No tengo poder. J'ai pas de pouvoir. ¿Cuántos no tengo ahí en tu vida? Combien de j'ai rien il y a dans ta vie? ¿Cuántos no tengo has puesto como impedimento para que el llamado de Dios se cumpla en tu vida? Combien de fois tu as dit j'ai rien et ça empêchait vraiment l'appel de Dieu sur ta vie? No tengo. J'ai rien. Pedro pasa delante de él, lo está mirando. Pierre, il passe devant lui, il le regarde. Il dice, et il no va lui tengo. Dire, j'ai rien. Pero. Mais. Pero. Mais. ¿Alguien puede decir pero? Est-ce qu'on peut dire mais? No tengo. J'ai rien. Usualmente yo pienso que no puedo hacer nada para cambiar la situación. Et parfois je crois que je n'ai rien pour changer la situation. Normalmente yo creo que soy inferior, que no puedo hacer algo para que el mundo conozca a Jesús. Et parfois on se sent comme inférieur, qu'on peut rien faire pour que le monde connaisse Jésus. Pero. Mais. Hey, me acuerdo. Hey, mais je me Hay souviens. Hay algo que viene a mi mente. Il y a quelque chose qui est là dans ma Hay algo dans ma que mémoire. He aprendido en Denji. Il y a quelque chose que j'ai reçu à Denji. Hay algo que he aprendido ayer en la predicación de por la mañana. Il y a quelque chose que j'ai reçu hier. Lo que tengo. Ce que j'ai. Hey, 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 lo que tengo. Hey, ce que j'ai. Hay algo que tengo. Il y a quelque chose que j'ai. Hay algo que no es mío, pero que Dios me lo ha dado. Il y a quelque chose qui n'est pas moi, mais que Dieu me l'a donné. Hay algo que la cruz ha ganado por mí. Il y a quelque chose que Jésus a donné pour lo moi. Lo que tengo. Ce que j'ai. Te lo doy. Je te le donne. Alguien puede decir, te lo doy. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je le donne. Lo que tengo. Ce que j'ai. No digas más, no tengo. Ne dis plus, j'ai rien. No esclavices tu vida. Va pas limiter ta vie. Por un no tengo. Par un no, j'ai rien. Tienes. Tu as. Tienes amor. Tu as de l'amour. Tienes esperanza. Tu as de l'espérance. Tienes un mensaje. Tu as un message. Tienes a Jesús. Tu as Jésus. Tienes de su espíritu. Tu as son esprit. Y lo que tienes. Et ce que tu as. Es suficiente. C'est suffisant. Alguien puede gritar por Jesús. Est-ce qu'on peut crier ensemble, j'ai Jésus. Lo que tienes. Ce que tu as. Es suficiente. Es suficiente. Iglesia de Francia. Église de France. Lo que tienes. Ce que tu as. Es suficiente. Es suficiente. Dios usará lo que tienes. Et Dieu va utiliser ce que tu para as. Para transformar tu nación. Pour changer la nation. Hemos estado esperando muchos años. Parfois on a attendu pendant des années. Misioneros de América. Des missionnaires d'ailleurs. Gente latina que venga a nuestro continente. Des gens d'Amérique de la latine qui viennent. Pero el Señor ya ha puesto en ti. Mais le Seigneur a déjà mis quelque chose en toi. Lo que necesitas para el cambio. Ce que on a besoin pour le changement. Eres un enviado de él. Tu es un envoyé. Y lo que tienes. Et ce que tu as. Es tiempo de darlo. Il est temps de le donner. Dile al que tienes al lado, es tiempo de darlo. Retourne vers ton voisin et dis-lui ce que tu as, c'est le temps de le donner. Aleluya. Aleluya. Dios siempre ha usado. Dieu a toujours utilisé. Lo que tienes. Ce que tu as. Moisés, cuando se encuentra con Dios. Moïse, quand il rencontre Dieu. Dios le dice que debe liberar a su pueblo. Dieu va lui dire, tu dois libérer mon peuple. Y Moisés le pregunta, ¿con qué? Et Moïse, il va répondre à Dieu, avec quoi? ¿Con qué recursos? Avec quoi? ¿Qué provisión me darás para yo poder liberar a mi pueblo? Qu'est-ce que tu peux me donner pour que j'aille libérer le peuple? Y Dios le dice, con lo que tienes en tu mano. Et Dieu va lui dire, avec ce que tu as dans la main. Un palo. Un bâton. Un palo. Un bâton. Ese palo hablaba de quién era Moisés. Et ce bâton, il est l'image, il parle de ce que Moïse est. Hablaba de su identidad. Il parlait de son identité. Él era pastor. Il était berger. Aunque no nació para ser pastor. Même s'il n'est pas né pour être berger. Vivía siendo pastor. Il vivait une vie de berger. Ese palo habla de su identidad. Et ce bâton, c'est comme l'identité de Moïse. Ese palo habla de sus recursos. Il parle de ce qu'il a. Ese palo habla de cómo se gana la vida. Ce bâton, il parle de comment va être la vie. De su oficio, de su trabajo. De son travail, de ce qu'il fait. Ese palo habla de él. Ce bâton parle de Moïse. Y Dios le dice, con lo que tienes. Et Dieu lui dit, avec ce que tu as. Con lo que tú eres. Avec ce que tu es. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Je peux faire de grandes choses. Muchas veces hemos intentado hacer cosas para Dios. Tellement de fois on a essayé de faire des choses pour Dieu. Intentando ser la persona que no somos. Et on a essayé d'être la personne qu'on n'est pas. Muchas veces intentamos ser como aquel. Parfois on a essayé d'être comme lui. O ser como el otro. Ou comme celui-là. Pero Dios quiere usarte a ti. Mais Dieu veut t'utiliser toi. Tal y como eres. Comme tu es. Con tus defectos. Avec même tes faiblesses. Con tu acné. Avec tes boutons d'acné.
como eres, comme tu es, con lo que tienes en tu mano, avec ce que tu as dans la main. David va a enfrentar a Goliat. David, il va affronter Goliath. Y para enfrentar a Goliat necesitaba una armadura. Et pour aller vers Goliath, il avait besoin d'une arme. Y él se prueba la armadura de Saúl. Et alors il va essayer l'armure de Saúl. Pero dice, yo no puedo andar con esto. Mais il va dire, je peux pas mettre cette armure. Y se quita la armadura. Et alors il va l'enlever. Porque David no puede vencer al gigante. Parce que David, il peut pas vaincre le géant. Intentando ser la persona que no es. En essayant d'être celui qu'il n'est pas. Entonces David, ¿sabes lo que hace? Alors David, ce qu'il va faire? Coge lo que tiene. Il va prendre ce qu'il a. ¿Qué es lo que tiene? Et qu'est-ce qu'il a? Una onda. La fronde. Es ridículo. C'est ridicule. Pero face es lo a un que géant. Tiene. Mais c'est ce qu'il a. Y es suficiente. Et c'est suffisant. Parece ridículo lo que tienes. Peut-être ça peut paraître ridicule. Pero ce Dios que tu te envía as. Hoy. Mais c'est Dieu t'envoie aujourd'hui. Diciendo es suficiente. Et il dit c'est suffisant. Mi espíritu. Mon esprit. Es suficiente. Es suficiente. Mi palabra. Ma parole. Es suficiente. Elle est suffisante. Mi llamado. Mon appel. Es suficiente. Es suficiente. Mi sangre. Mon sang. Es suficiente. Il est suffisant. Aleluya. Aleluya. Oh. El enviado da lo que tiene. L'envoyé, il donne ce qu'il a. Ahora hay una tercera cosa que ocurre aquí. Il y a une troisième chose qui se passe ici. Y que habla de cómo vive un enviado. Et alors ça va nous parler de comment vit un envoyé. Dice en el versículo 6. Au verset 6. Lo que tengo te doy. Il est dit alors ce que j'ai je te le donne. En el nombre de Jesucristo. Dans le nom de Jésus. Levántate y anda. Lève-toi et marche. Y tomándole por la mano derecha. Et alors qu'il le prend par la main. Le levantó. Il le fit lever. Mira, muchas veces he leído esta historia. Parfois on a beaucoup lu cette histoire. Y he dicho qué bueno porque Pedro y Juan. Et alors on dit que c'est très bien, Pierre et Jean. Dijeron la palabra. Ils vont dire la parole. Y el paralítico levantó. Et le paralytique il va se lever. Pero no fue. Mais ce n'est pas ça. Hasta que tomaron su mano. Parce qu'il a fallu lui tendre la main. Que él no pudo levantarse. Et qu'il ne pouvait pas se lever. No fue. Ça n'a pas été. Hasta que tomó su mano. Jusqu'à ce qu'il prenne la main. Que él pudo levantarse. Qu'alors il a pu se lever. El enviado. L'envoyé extiende sus manos il étend la main al mundo que le necesita. Vers le monde qui a el besoin. Enviado l'envoyé toca la necesidad. Il va toucher le besoin. El enviado está cerca. L'envoyé il se rapproche. El enviado no es un superhombre. L'envoyé n'est pas un surhomme. El enviado no es diferente al resto. Et l'envoyé n'est pas différent au reste. Sabe ponerse al lado del que sufre. Il peut se mettre à côté de celui qui sabe souffre. Ponerse al lado del que llora. Il va se mettre à côté de celui el qui mundo pleure. Está esperando. Et le monde est en train d'attendre. Que la iglesia tome su mano. Que l'église puisse l'étendre la main. Que la iglesia se acerque a su necesidad. Que le monde s'approche de el mundo besoin. Está esperando que la iglesia le monde, il attend. Cene en casa de Zaqueo. Qui vienne à la maison de Zaché. Duerma en casa de Rahab. Qui puisse dormir dans la maison el mundo de Rahab. Está esperando le monde attend. Que la iglesia extienda su mano. Que l'église étende para la main levantarse. Pour le lever. Para le acabo de romper el hombro. Je crois que je viens de lui exploser le bras. Para levantarse. Pour qu'il se lève. El mundo necesita una iglesia. Le monde a besoin d'une église. Que le abrace. Qui va prendre dans les bras. Que muestre el qui amor montrer, del padre que sufre. Qui va démontrer l'amour du père qui souffre. El mundo necesita una iglesia. Le monde a besoin d'une église. Que abrace. Qui prend dans les bras. Que ame. Qui aime. Este hombre paralítico. Ce paralytique. Había sido juzgado. Il a été consolé. Una persona que desde su nacimiento, quelqu'un qui depuis sa naissance, era imposibilitada, ne pouvait pas, se creía que era pecadora. Et on croyait à l'époque qu'il était un pécheur. Él no podía entrar al pueblo. Alors il ne pouvait pas entrer dans le temple. No era tocado por la gente más que por aquellos que le traían cada mañana. Et personne ne le touchait à part ceux qui le portaient pour l'amener au temple. Tomó su mano. Alors Pierre il prend sa main. Le miró a los ojos. Il le regarde dans les yeux. Le dio lo que tenía. Et il regarde ce qu'il a. Le dio a Jesús. Et il va lui donner ce qu'il a, Jésus. Tomó su mano. Il va prendre sa main. Y al tomar su mano, et quand il prend la main, ocurrió lo que nunca había ocurrido. Il va se passer ce qui jamais ne s'est produit. Se levantó. Il va se lever. Se levantó. Il se lève. El Señor pone personas en tu corazón en este momento. Le Seigneur, je crois, dépose des personnes dans ton cœur en ce moment. A la que tienes que tomar de la mano. Il faut que tu ailles, que tu étendes la main. Para que se levante. Pour qu'il se lève. Has orado por años por situaciones y por personas. Parfois tu as prié pendant des années pour des situations, des personnes. Y quizás dices no ha cambiado nada. Et parfois tu dis il y a rien qui a changé. Pero quizás llega la hora. Mais c'est le moment, l'heure est venue. De llegar a casa. D'aller à la maison. De llegar a la situación. D'aller à la situation. Y tomarlo de la mano. Et de prendre par la main. Y abrazarle. Et de prendre dans les bras. Jesús en una ocasión. Jésus dans une occasion. En Lucas capítulo 13.
Dans Luc chapitre 13, entró a la sinagoga. Il entre dans la synagogue. Y vio a una mujer que estaba 18 años enferma por un espíritu. Et il voit là une femme qui était pendant 18 ans malade à cause d'un esprit. Una persona que una mujer encorvada. Une femme qui était pliée. Que por 18 años iba a la iglesia. Et pendant 18 ans elle allait au temple à l'église. Y era azotada por un espíritu. Et il y avait un esprit qui l'attaquait, qui la maintenait. Una mujer que necesitaba a Jesús. Une femme qui avait besoin de Jésus. ¿Cuánta gente hay en nuestras iglesias? Combien de personnes il y a dans nos églises? Que están necesitando a Jesús. Qui ont besoin de Jésus? Que están necesitando un abrazo, una mano. Qui ont besoin d'un bras tendu, d'un bras. La Biblia dice que Jesús la vio. Et la Bible nous dit que Jésus l'a vue. Y la llamó. Et va l'appeler. Y le dijo, mujer. Et il va lui dire, femme. Eres libre de tu azote. Tu es libre de ce qui t'empêche. Y en ese momento dice la Biblia. Et à ce moment-là, nous dit la Bible. Que Jesús puso sus manos sobre ella. Que Jésus va mettre ses mains sur qué elle. Imagen. Quelle image. Jesús puso sus manos sobre ella. Jésus y met ses mains sur elle. Jesús tocó a la hija de Jairo que estaba muerta. Et Jésus il va aller toucher la fille qui était décédée, qui était morte. Jesús no le daba miedo a la gente pecadora. Jésus n'avait pas peur des gens qui étaient pécheresses. Ella dijo, ustedes están en el mundo. Elle va dire, vous êtes dans le monde. No quiero que los quites en el mundo. Je veux pas que tu nous enlèves du monde. El enviado sabe su campo de misión. Car l'envoyé, il sait le champ de mission. Sabe su lugar en este mundo. Il sait le besoin dans ce monde. Y sabe abrazarlo. Et il va et il prend dans les bras. Para que el amor de Dios. Pour que l'amour de Dieu. Y la gracia del Padre. Pour que la grâce du Père. Cambien la realidad de esa persona para siempre. Puisse toucher et changer la vie à jamais. Abrazar al mundo. Prendre dans les bras le monde. Cuando pienso en estas características, quand je pense à ces caractéristiques, veo a Jesús. Je vois Jésus. Jesús fue el enviado de Dios. Jésus a été l'envoyé de Dieu. Y Jesús nos vio. Jésus nous a vu. Nos vio primero. Il nous a vu le premier. Y vio nuestra necesidad. Et il a vu notre besoin. Si hoy estás aquí, si aujourd'hui tu es là, es porque un día Jesús te vio. C'est parce qu'un jour Jésus a posé son regard sur toi. Te vio más allá de tus pecados. Et il t'a vu même au-delà de ton état de péché. Más allá de tus carencias. Au-delà de tes faiblesses. Más allá de tus faltas. Au-delà de tes de ce qui te fait él tomber. Él te vio. Il t'a vu. Y al verte te amó. Et lorsqu'il t'a vu, il t'a te aimé. Amó tanto. Il t'a tant aimé. Que fue a dar. Qu'il a été à donner. Lo que tenía. Ce qu'il avait. Dio su vida. Il a donné sa vie. Su sangre. Il a donné son sang. Su sacrificio. Son sacrifice. Por ti. Pour toi. ¿Qué puedes dar? Qu'est-ce que tu peux donner? Por aquellos que necesitan a Jesús. Pour ceux qui ont besoin de Jésus. Puedes dar tu vida. Tu peux donner ta vie. Puedes dar tu tiempo. Tu peux donner ton temps. En serio. Sérieusement. Él extendió su mano de amor. Il va étendre sa main d'amour. Dijo, consumado es. Et il va dire, tout est accompli. Pero cuando pienso en estas tres características, mais quand je pense à ces caractéristiques de l'envoyé, pienso en una presentación que Jesús hizo de sí mismo. Je pense à cette image que Jésus a donnée de lui-même. Él dijo, yo soy el buen pastor. Il va dire, je suis le bon berger. Y una vez que hombres le estaban escuchando, et lorsqu'on l'écoutait dire ces choses, dijo, ¿qué hombre de ustedes? ¿Qué hombre de ustedes si tiene 100 ovejas? Lequel des hommes parmi vous s'il a 100 brebis? Y una de ellas se extravía. Et qu'il y en a une qui se perd. Deja los 99. Va laisser les 99 autres. Y va por aquella que se perd. Et va chercher la brebis qui est perdue. Eso es ridículo. Ça c'est ridicule. Pero es exactamente lo que Jesús hizo. Mais c'est ce que Jésus fait. Jesús vino por los enfermos. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Y quiero decirte algo. Et je vais te dire quelque chose. Jesús está mirando lo que ocurre aquí porque esto es histórico. Et ce qui se passe ici est historique et Jésus le voit. Pero él está mirando los que están perdidos. Mais il n'a pas que son regard ici, il voit les perdus aussi. Él está pensando en lo que todavía no ha llegado. Et il pense, il réfléchit à ce qui n'est pas encore produit. Él está mirando la necesidad. Il voit le besoin. Y lo que pasa aquí es increíble. Et ce qui se passe ici c'est incroyable. Pero no tiene sentido si no podemos llevar el corazón de Jesús al mundo adolorido. Mais si ça n'aurait pas beaucoup de sens si on est incapable de sortir d'ici. Jesús le cœur dejó su mano. Pour aller toucher ceux qui ont besoin. Jésus il va enlever son manteau. Se despojó de sí mismo. Il va se dépouiller de lui-même. Y
fue a buscar al mundo. Et il a été chercher le monde que estaba perdido. Qui était perdu. Él fue a buscarte a ti. Il a été chercher toi, ta personne. Él cargó en sus hombros tu pecado. Et il a chargé sur ses él épaules cargó en sus hombros péchés. Tu dolor. Il s'est chargé de tes souffrances. Él cargó en sus hombros tus carencias. Il a porté tes faiblesses. Él te fue a buscar. Il a été te chercher para sanarte. Pour te guérir. Y para llevarte. Pour t'emmener. A la casa de su padre. À la maison du père. Para llevarte. Pour t'emmener. A la casa de la misericordia. À la maison de la grâce. Hola. Si tú quieres ser enviado por Dios. Si tu veux être envoyé par Dieu. Deberás estar dispuesto a cargar con alguien. Tu dois être disposé à charger, à porter quelqu'un. A hacer discípulos. À faire des disciples. Es cargar con alguien. À te charger de quelqu'un, porter quelqu'un. Es ayudarle. C'est d'aider ces personnes. Es accompagnarle. C'est accompagner. No es simplemente entregar un mensaje fácil. C'est pas juste de parler, mais il faut faire autre chose. À casa. Il faut l'emmener à la maison es du père. À la casa de papa. Il faut l'approcher de la maison du para père. Que encuentre el amor. Pour qu'il puisse trouver l'amour. Que todavía su padre siente por él. Que le père il porque a este mi hijo. Parce que c'est le fils de Dieu aussi. Se había perdido. Parce que c'est ce fils qui était perdu. Pero ahora lo he encontrado. Et le voilà qui l'est retrouvé. Y ha alcanzado misericordia. Et alors il revient à la maison de la miséricorde. Alléluia. Llevar a una persona. Tu porteras une personne. Por año en tu vida. Toute une année dans ta vie. A la casa del padre. Tu vas l'amener à la maison du père. Puede cambiar el mundo. Le fait de faire ça peut changer le monde. Tú eres el enviado. Tu es l'envoyé. Tú eres la persona que Dios estaba buscando. Tu es la personne que Dieu cherche. Tú tienes en tu corazón. Tu as dans ton cœur. La capacidad para ver la necesidad. La capacité pour voir le besoin. Y sentir lo que Jesús siente. Pour pouvoir sentir ce que Jésus sent. Tu en tu corazón. Ton cœur. Tienes todo lo necesario. Dans ton cœur, tu as le nécessaire. Para revolucionar una vida. Pour changer, bouleverser une vie. Tú en tus manos. Toi dans tes mains. Tienes toda la unción del Espíritu. Tu as l'onction de l'Esprit. Para levantar al caído. Pour pouvoir lever celui qui est par terre. Si tú crees que esto es para ti. Si tu crois que cet appel est pour toi. Ponte de pie en donde estás. On va se lever ensemble. Con tus ojos cerrados por un momento. On va fermer les yeux. Te invito a pedirle al Señor en esta mañana. On va demander au Seigneur ce matin. Que puedas ver lo que él ve. Que tu puisses voir ce que lui voit. Porque tus ojos han estado tan cargados. Parce que peut-être tes yeux ont été tellement chargés. Tan entretenidos. Tellement occupés. Que quizás te has vuelto indiferente. Que peut-être tu es indifférent aux situations. A la necesidad. À ce besoin. Hablamos de cifras y de números. Parfois on parle de chiffres, de numéros. Pero Jesús ve personas. Mais lui, il voit des personnes. Jesús ve familias. Il voit des familles. Ve hijos. Il voit des enfants. Ve madres. Il voit des mères. Ve esposos. Il voit des époux. Ve abuelos. Il voit des grands-pères. Jesús ve personas. Jésus voit des personnes. Y que el hecho de mirar las cifras. Et le fait de regarder les chiffres. No te haga olvidar de mirar a las personas. Que le fait de regarder des chiffres ne t'empêche pas de voir les personnes. Uno. Un par un. Uno a uno. Un après l'autre. Ahí donde estás te invito a mirar a una persona que necesite de Jesús. On peut regarder à quelqu'un dans notre cœur qui a besoin du Seigneur. Que puedas visualizar a una persona que te rodea que necesita a Jesús. Quelqu'un dans ton entourage qui a besoin du Seigneur. Allí es donde el Señor te envía. C'est là que le Seigneur t'envoie. Ese es tu campo de misión. C'est là ton champ de mission. Ese es el lugar que debes cambiar. C'est le lieu où tu dois changer les choses. Es la reunión aburrida de oración a las 3 de la tarde. Peut-être c'est la réunion qui te plaît pas à 3 heures de l'après-midi. Es tu rutina donde Dios te envía. Peut-être t'as l'impression que c'est la routine, mais c'est là que Dieu si t'envoie. Si tienes en tu mente a una persona. Si dans ton cœur tu penses à quelqu'un. Al menos una persona. Au moins une personne. Levanta tus manos. On lève les mains ensemble. Y ora por ella. Et on va prier pour cette personne. Deja que el Señor te muestre. Que l'Esprit nous, que le Seigneur nous montre. Lo que él siente. Ce que lui ressent pour que cette personne. Que él te dé su compasión. Sa compassion. En esta tarde el Espíritu Santo. Aujourd'hui l'Esprit Saint. Quiere hacerte sentir el dolor que él tiene por las almas que se pierden. Le Seigneur veut déposer en toi la souffrance dans ses entrailles qu'il a pour ces personnes qui se perdent.
veux consacrer ma vie. Dis-le au Seigneur. On chante ensemble. Pour que ton royaume vienne. Pensando en esa persona. On pense à cette personne, envoie-moi. Revêtu de ton esprit. Pensando en ese pueblo. On pense à cette personne. Que les nations se prosternent. Je veux consacrer ma vie. Je veux consacrer ma vie. Pour que ton royaume vienne. Fais ce que tu veux de moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie. Mientras cantamos esta canción, alors qu'on est en train de chanter, voy a pedir en esta mañana. Je demande ce matin. Revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent, que tous les pasteurs puissent lever leurs mains, puissent lever les mains. Rends-moi sensible, rends-moi sensible, parce qu'on a la responsabilité d'envoyer à cette génération, d'envoyer cette génération au monde qui les rodea, au monde qui se tourne. Rends-moi sensible. Pasteur, ici, on lève les mains. Ayer oramos para llenar, para impartir algo de Dios sobre nuestros jóvenes. Et on vraiment demande à ce qu'il y ait la grâce de Dieu sur nos jeunes. Pero hoy vamos a orar enviándolos. Mais on va prier pour les envoyer. Ce una matin. De las grandes preocupaciones en nuestras iglesias. Une des grandes préoccupations dans nos églises. Ha sido que nuestros jóvenes no se vayan al mundo. C'est que parfois on a eu peur que les jeunes aillent au monde. Pero el Señor está cambiando nuestra manera de ver. Mais je crois que le Seigneur veut changer notre regard. Para enviar a nuestros jóvenes al mundo. Qu'on envoie nos jeunes vers le monde. A transformarlo. Dans le monde pour le changer. Alléluia! Yeah! Por eso me gustaría hacer algo. On va faire quelque chose ce matin. No podemos llamar hoy a la gente al frente. On va pas faire un appel de haut. Pero vamos a hacer algo. Mais on va faire quelque chose. Todos vamos a hacer un poco de silencio, la música nos va a acompañar. On va faire un silence dans la salle, la musique va rester tout doucement. Y los pastores van a elevar una oración al cielo. Et juste les pasteurs, vous allez prier à voix haute. Enviando a esta generación. Envoyant ces jeunes à cette génération. A levantar al paralítico. Pour qu'ils puissent aller vers ceux qui ont besoin, a abrazar la necesidad. Pour qu'ils aillent tendre la main vers le besoin. ¿Quieren hacerlo conmigo? Est-ce qu'on peut le faire ensemble avec les pasteurs? OK. Vamos a orar, pastores. Pasteurs, on prie ensemble pour ces jeunes. Envíalos. Nous les envoyons. Entrégalos al Señor. On les donne au Seigneur. Estamos pasando el relevo. On passe le relais, on les envoie.
Señor. Utilise-les, Seigneur. Que nuestro techo, que notre toit, sea su plataforma. Soit vraiment la plateforme. Que vayan más allá de los límites. Qu'ils puissent aller au-delà des limites. Alors que nosotros hemos llegado. Au-delà même de ce que nous avons fait. Padre, Père. Úsalos. Utilise-les. Hey. Utilise-les. En las escuelas. Dans les écoles. En los trabajos. Dans leur travail. En los negocios. Là où ils travaillent. En sus iglesias. Dans l'église. Lo que hemos conseguido. Ce que nous avons eu. Es para ellos. C'est pour eux. Ce que nous avons reçu, c'est pour eux. Dios te está llamando. Dieu t'appelle. 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 No te escondas. Ne te caches Dios pas. Dios te está llamando. Dieu t'appelle. Dios está diciendo tu nombre. Dieu est en train de prononcer ton El nom. El cielo está pronunciando tu nombre. Le ciel prononce ton nom. El infierno está temblando. L'enfer est en train de trembler. Hay algo que está sucediendo. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Hay un ejército que se está levantando.